Verre à moitié vide ou à moitié plein? Pour cette première année avec les U13 féminines de la CTC, c'est un bilan mitigé qui ressort. Tout d'abord, je tenais à dire que l'expérience humaine avec les filles, avec Cécilia, Seb et Toto, mais aussi avec les parents, fut très bonne, très appréciable, et cela a été l'une des conditions sine qua non à mon investissement dans ce projet. Ensuite, il a fallu construire autour des U13 deuxième année et de l'arrivée des U11 féminines des trois clubs. La tâche fut plus complexe que prévu à mon goût et on a perdu pas mal de temps à corriger quelques détails techniques ou de placement. Le fait de s'entraîner à deux ou trois équipes fut également pénalisant en termes d'intensité. Je reste donc frustré car il me semblait que l'on était en train de passer un cap en ce début de phase retour. Je sentais les filles prêtes physiquement, plus investies et en train de réaliser des progrès individuels. J'attendais avec impatience notre déplacement à Désertine ou encore notre match retour contre Fort. On aura réalisé d'excellents matchs contre Issoire en tout début de saison, contre Désertine notamment, mais il y aura eu beaucoup trop de non-matchs pour que l'on soit satisfait de la saison.
Maintenant, certaines vont passer en U15, j'espère qu'on les aura préparées du mieux que possible pour qu'elles puissent prétendre à intégrer directement l'équipe 1 région. Pour les autres, elles savent d'ores et déjà ce qui les attend la saison prochaine, en partant avec une base de 7-8 joueuses plus 3-4 U11 qui seront intégrées au groupe. Nous verrons rapidement en début de saison prochaine si nos joueuses ont eu ou non passé un cap cette saison et on saura alors enfin si le verre était à moitié plein ou à moitié vide. A plus tout le monde pour un nouveau débrief sur CBC Images.